Ce samedi 10 juin, France 3 propose La Malédiction d'Ulysse, un unitaire inédit, avec en tête d'affiche, David Baillot et Eric Hassinthe. Vaut-il le visionnage? Notre avis. Des meurtres en province, un binôme mal assorti, des légendes. Les semaines se suivent et se ressemblent, à peu de choses près, sur France 3 avec la diffusion de l'inédit La Malédiction d'Ulysse, ce samedi 10 juin à partir de 21h10. Alors faut-il s'arrêter sur ce nouveau meurtre? Qui n'est pas un. Ou rester devant la finale de Ligue des Champions sur TF1 qui oppose Manchester City à l'Inter de Milan? On vous donne la réponse. La Malédiction d'Ulysse, France 3, de quoi parle ce téléfilm inédit? Au début de ce téléfilm écrit par Zangros, Sylvain de Zangronise, Céline Guyot et Martin Guyot, d'après une idée originale de Zangros, produit par Bien ou Bien Productions et réalisé par Philippe Niang, le corps d'un promoteur immobilier candidat à la mairie de Bordeaux est retrouvé à son domicile. Ce dernier, assassiné, est découvert par ses plus proches amis, tous issus, comme la victime, de grandes familles bordelaises au passé trouble durant la traite négrière. Pour retrouver le tueur et stopper cette série de meurtres, les deux enquêteurs vont découvrir ensemble des éléments enfouis de l'histoire de Bordeaux. Mais surtout de leur propre passé et origine. La Malédiction d'Ulysse, France 3, faut-il regarder ce téléfilm avec David Baillot et Eric Hassinthe? Eric Hassinthe, Les Rivières Pourpres, et David Baillot, l'interprète de Jawad dans Plus belle la vie sur France 3, qui pourrait revenir dans une version plus courte sur TF1, campe un bon duo d'enquêteurs que tout oppose, Clémence Lacoste est une capitaine de police expérimentée, bordelaise pure souche, Antoine Rosy est un lieutenant parisien peu habitué au terrain. Mais leur enquête sur la mort d'un promoteur immobilier et candidat à la mairie de Bordeaux selon un rituel réservé, deux siècles plus tôt, aux esclaves en fuite, ronronne. Il y a trop peu d'action dans cette immersion chez les notables de la cité girondine. Reste que cette fiction permet d'évoquer avec justesse le passé de la traite négrière. Heart attack, but who needs a heart attack?